Working. Okay, great. Parlez mes étoiles sous dedans. Allez, pour le topic tag maintenant. Et suivez bien. Vous avez peinard de votre publication, etc. etc. là-dedans. Vous avez peinard pour suivre vos explications là. Et ensuite, nous partons le tout. Alors, ce que je vais faire, c'est rappeler l'expérience de formule pour les étoiles qui nous couvrent. Et il y a un rectangle, nous couvrent triangles, nous couvrent rhombus, nous couvrent parallélogramme. Il me pensait quelque dans une dizaine de débats de formule là. You just have to refresh that book. Nous couvrent avec 25 parties. Now let us have a look at this one for. Let us have a look at this one for guide. Guide, il passe au type des membres souvent, mais son employé sur le type, il se retient pas vraiment à la bonne question. Alors, c'est dans un avantage de mettre les guides là aussi bien. Trapézium, c'est beaucoup plus qu'il y a en guide seulement. Guide, premièrement, est bien, mais il y a deux diagonales là-dedans. N fait ici avec N fait là. Premier là, on appelle comme diagonale 1, et deuxième là, par contre, on appelle comme diagonale 2. Et par contre, ce area, c'est quoi? Ce area, il y a une half times product of diagonals qu'ils ont besoin de maîtriser pour ce thème. Alors voilà, si je m'appelle ça comme diagonale 1 et je m'appelle ça comme diagonale 2, alors cela veut dire qu'il est plutôt half times product of diagonals, ce qui veut dire. Product of diagonals, c'est que je prends ma diagonale là, je fais un chiffre, je fais aller. Alors ce qui est tombé, c'est qu'il y a une half fois. Alors product of diagonals, ma diagonale, c'est diagonale 1 et diagonale 2. Alors je fais half fois diagonale 1 fois diagonale 2. Good for this one. Oui, alors ça c'est la première chose. Maintenant, comme prochain partie, we have perimeter and area with kite given two different sides, A and B, and included angle theta. Alors, il paraît quelque chose qui est vraiment long, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. Let us have a look at this. Ici, ici là, c'est probable qu'il met la bande diagonale là. Nous prenons la bande diagonale tout le temps, mais ce n'est pas tout le temps qu'il nous prend sur la valeur. Et rappelle bien quelque chose là, dans sa première partie là, tu prends la diagonale, tu as besoin d'un niveau 90 degrés. Ça, c'est pas quelque chose que je vous en rappelle bien. Alors, quand je prends sa carte là, pas ici là, ma chose qui m'a vous êtes aussi connu en détail, c'est qu'il va diagonale 3 œufs camarades à une tension de 90 degrés. Ça, c'est la première chose. Et aussi, deuxième chose maintenant, qui m'a vous êtes rajouté dans un cahier qui pénalise là-dedans, c'est que quand sa diagonale là, regarde bien, sa longue diagonale ici là, il coupe là en deux. Ça veut dire ici, la diagonale là, je ne coupe pas le camarade en deux. C'est ça qui est longue diagonale là, il coupe l'autre là en deux. Ça veut dire en deux mots, sa longue diagonale ici là, il coupe ça là en deux. Ça veut dire ça avec ça, il tombe pareil. C'est tout à l'heure ça que je vous fais par rapport à ça. Alors, ce que la diagonale là, je mets deux bords. Voilà. Je mets deux bords là, je taille ici, pour montrer que sa longue diagonale là, il coupe sa petite diagonale là en deux. Et qui la diagonale là, je vais aussi intersecter à un niveau de 92. Alors, ça c'est le premier code. Now getting to the next part over here, you have perimeter of kite. Perimeter is too easy. Rappelle bien qu'il y a une kite, ça a de là les tons pareils et ça a de là aussi des boutons pareils. Alors ce perimeter c'est trop facile, on prend ça et ça plus ça. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Oui. Et par contre maintenant pour area of kite c'est quoi? Area of kite. Si toutefois, je peux pas une diagonale à cette valeur, si mon diagonale à cette valeur, je fais half times the one times the two. Ça vous êtes d'accord avec moi? Mais si toutefois, par contre, je n'ai pas une diagonale là, mais je n'ai juste pas à côté là, alors ce qu'il me faut faire, je vais prendre petit là, je vais faire grand là, alors je vais prendre petit là, je vais faire grand là, et je vais multiplier par sin là, je vais multiplier par sin là des angles. Vous comprenez bien ce que je dis par ici? Oui. Alors ce qu'il me faut faire par rapport à ça, je vais prendre petit là, je vais faire grand là. Pas diagonale là, mais bonne side ça. So you're going to take side A, multiply by side B, and then multiply by sine of theta. Alors, you need to have theta over here. You can't have only the two sides, you need to also have theta. Good for this one. Oui, c'est sûr, c'est OK pour cette partie là. Is it good for this one? Tu dois vous rappeler un petit peu, what was area for a triangle? What was area for a triangle? Half times base times height. Après, tu vas apprendre. Prochaine formule, c'est quoi pour area of a triangle? C'est half AB sine theta. Alors voilà, ici, il va faire un triangle là. Alors pour sa premier triangle là, il fait half AB sine theta. Pour ça, le triangle là, il fait toujours half AB sine theta. Alors half AB sine theta plus half AB sine theta. Il fait moins AB sine theta. Alors je ne vais pas le compter sous ta vue par rapport à sa main partie là. Je juste un peu focus là. Je juste un peu focus sur sa partie là. Alors je mets A, je mets B, je mets theta. Alors, vous pouvez mettre AB sin theta directement. Good for this one. Oui.
Alors, quand vous avez fini de savoir quoi là, vous avez fini de savoir quoi c'est là, ce qui est en retour, vous êtes capable de dire après. Et vous avez fini de ça deux diagrammes là, et vous avez fini de ça deux diagrammes là, ici là. Oui, allez, très bien. Et très vite, moi, alors, page 115, pour ne pas venir qui parle, j'étais dans le livre. Page 115, exercice 7.5. Page 115, exercice 7.5. Allez, let us have a look at this. Page 115, exercice 7.5. Et maintenant, là, voilà, passons à. Passons à question 1. Alors, exercice 7.5. Alors, passons à. Passons à question 1. Allez, trop direct, pas ici. L'examen comme ça, find area of the kite. Allez, nous avons un coup de pour moi, nous n'avons pas fait sa carte là sur area first. Allez, vous êtes d'accord avec moi, vous n'avons pas fait un carte sur area, vous allez apprendre deux formules. Premier, c'est half, for product of diagonals. Deuxième, c'est AB sin theta. Maintenant, vous nous travaillez AB sin theta. Donc, vous allez inclure l'angle là. Donc, vous allez un petit côté, vous allez un long côté là. Et plus, vous allez ça, angle qui est autour de là. Je ne peux ni AB, je ne peux ni BC et ni mettre ça en angle là. Ça veut dire que je ne peux pas servir la deuxième formule là, je peux pas servir la première formule là. Maintenant, si je ne peux pas servir la première formule là, quoi ici, if you have a look clearly at it for this one, voilà, c'est le get lit clairement quoi ici. Alors, si cette partie là c'est 12, get bien. Si ça partie là 12, mais je suis tout d'accord avec moi que ça aussi c'est 12. Si ça bout là 20, je suis tout d'accord avec moi que ça bout là aussi 20. Je suis tout d'accord avec sa partie là. Oui. Et les trucs vont passer de là. So if this is 12, this is also 12. If this is 20, this is also 20. Ça veut dire que vous pensez à vous n'avez pas ici là. Then this is too easy to do as area. So what is it going to do as area over here? It will be half for diagonal 1, for diagonal 2. Alors half for diagonal 1, for diagonal 2. Cela vous donne combien de là? Alors diagonal 1 par contre, me prend comme 12. Et diagonal 2 par contre me prend les comme. Diagonal 2 me prend les comme 20. Alors cela vous donne 10 multiplié par 12. Cela vous donne 120 cm. Cela vous donne 120 cm. Après ça c'est pour question 1. Passons maintenant à question numéro. Passons maintenant à question numéro 2. Please follow it first. Voilà, suivez bien. Allez maintenant pour question 2 par contre. Il faut vraiment faire un error of the tight. Toujours c'est trop facile. Allez, ça marche bien. Comment je peux faire pour avoir un area of? Comment je peux faire pour avoir un area of the kite? Let us have a look at this. Vous êtes tous d'accord avec moi là, mesdames et messieurs, diagonale. Diagonale AC, c'est combien? C'est 3 plus 5 qui vous donne 8. Et diagonale BD, par contre, c'est combien? C'est 4 plus 4 qui vous donne toujours 8. Alors, si vous n'avez pas une diagonale, qui est-ce que vous pouvez faire? Vous savez la formule, half times, donc vous avez deux diagonales et vous pouvez calculer l'area. You just have to calculate. Vous n'avez pas observé la formule, half times D1 times D2. Vous êtes tout d'accord avec lui. Alors, ce qui est pour venir par ici pour la partie A, so area, it will be half times D1 times, it will be half times D1 times D2. Vous êtes bien comprendre sa partie là. Oui. Alors, half times D1 times D2, qui est tombé par ici, it will be half, multiplié par. Alors, mon diagonale 1, c'est combien? C'est 3 plus 5, qui vous donne 8 par ici. Et par contre, mon diagonale 2, c'est combien? C'est 4 plus 4, qui vous donne 8 par ici. Alors, cela vous donne half, multiplié par 64. Alors, ce qui vous donne 32 cm, qui vous donne 32 cm carrés. Maintenant, pour la partie B, deuxième partie, les examens font un perimeter of triangle ABC. Donc, avec un coup, moi, nous pouvons faire ça. Moi, nous ne pouvons pas faire ça sur perimeter. Parce que tu n'apprends pas là avec moi. Perimeter, c'est quoi? C'est l'addition de tous les quatre côtés. Maintenant, de tous les quatre côtés, ça de là pareil. Avec ça de là aussi pareil. Alors, ce qui m'a besoin de faire pour pas faire ce périmètre là, mais venez qu'il n'y a pas un côté ici avec un côté là-bas. Si je gagne ça comme un 10, ça aussi pour ton 10. Si je gagne ça comme un 100, ça aussi pour ton 100. Alors, ce qui m'a fait venez qu'il n'y a pas la route AD, après moi la route DC. Maintenant, pour ceux qui me disent, comme ça, mais comment on fait la route AD, je m'espère que c'est un bon rappel. Je discutais tout à l'heure là, qui va nous avoir la même façon 90 degrés.
Ce besoin même fois 190 degrés, ça veut dire que vous pouvez faire pas passer au moins 3 ou 4, ici il fait 90, vous dire ici il dit 90, 3 ou 4, so you can definitely find 80. Now let us have a look at this. Alors ce qui est tombé par ici, ça c'est vos 90 degrés par ici, ça c'est A, ensuite ça c'est D, ensuite ça c'est X. Good. Allez rapidement maintenant, menant ça comme 3 cm et menant ça comme 4 cm. Quand je vous applique Pythagore théorème, tout le monde connaît comment faire Pythagore théorème. On va travailler avec Pythagore théorème depuis ça commence. Je tout connais qu'on a 3 et 4, alors tout le temps hypoténuse pour tomber 5 cm. Pareillement maintenant ici, menant 4, menant 5. Let us go and find DC. Alors voilà, so we have this, and we have this over here. Menant ça comme D, menant ça comme C, et menant ça comme X. Ça peut tomber 5 cm, et par contre ça, il peut tomber 4 cm. Toujours on va l'appeler Pythagore théorème. Pythagore théorème qui dit que en face 90 degrés, il y a appelé hypoténuse. Ça qui est resté appelé side 1 avec side 2. Et Pythagore théorème qui dit que hypoténuse to the square. Hypoténuse to the square, c'est quoi? C'est CD square. Is equal to side 1. Alors on prend ça comme side 1. Is equal to side 1 to the square. Il fait moins 4 square. Plus side 2. Alors side 2 c'est 5. Plus side 2 to the square. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne 16 plus 25. Alors ce qui vous donne un total de 41. So this is for CD square. Now to eliminate the square, vous supposez faire plus et minus square root. But ici ne va pas permettre plus et minus. Pourquoi? Parce que length, c'est this and length. And length cannot be negative. Good for this one. Ça veut dire qu'il tombe square root de 41. Can someone please give me the value of this square root de 41? C'est combien? Allez, please take out your calculator, square root de 41. Non, no one? 6.40. 6.40. Allez, très bien. Alors, ça c'est pour la valeur pour C. Ah, très bien. Alors, ça c'est pour la valeur pour. Tu veux gagner avec moi, c'est là. Ça c'est pour la valeur pour C. Good for this one. Oui, allez très bien. Maintenant, quand je précède une réponse, ça c'est juste formalité, ça ne rien à se moquer. Et par contre, quand je préponce, c'est pas exact. Allez, ça veut dire que le moment fini qu'un ça. Qu'est-ce bien, je vais venir aller pour mon 5. Allez, mais si ça fait tomber 5, have a look at this. Allez, si ça peut, si ça fait tomber 5 ici, if this is 5, si ça fait tomber 5, so, si ça fait tomber 5, CD combien de tomber? CD tombe route de 41. Si ça tombe pour 41, so, si tombe pour 41, ça devient aussi pareil. So how are you going to calculate the perimeter? Et moi, j'ajoute de tout, 5 plus 5 plus pour 41 plus pour 41. Vous êtes tout d'accord avec moi par rapport à ça? Alors ça, c'était le deuxième petit. So what is it going to be as perimeter for this part? So the perimeter is going to be, alors si vous venez 2 fois 5 plus 2 fois root de 41, voilà. C'est 2 root de 5 plus 2 root de root de plus 2 fois root de 41. Ok, it's good for this one. Alors cela vous donne quoi comme exact value? 2 fois 5 c'est 10. Alors c'est 10 plus 2 fois root de 41. Et quand tu demandes comme valeur, s'il vous plaît, c'est quoi? What is my calculator? 22.8062. Il y a les mêmes limites pour un point pour montrer que ça m'a fait qu'il y a encore valeur. Et pour répondre, toute réponse finale, vous êtes correct to. Toute réponse finale, vous êtes correct to free yourself. Good for this point. Oui, c'est sûr que j'aimerais comprendre ça encore ici là. Maintenant, comme troisième partie, c'est quoi? Alors, comme troisième partie, il fait comme ça. Ah, deuxième partie, les diamants font un perimeter de type ABCD. Désolé. Mais on a fini fait troisième partie avant. Allez, ça fait rien. Ça, c'est troisième partie. C'est la troisième partie qui nous a fait perimeter of the type ABCD. Donc, deuxième partie qui nous a fait area of triangle ABC. ABC. Ah, this is too easy over here. Perimeter of triangle ABC, voilà, vous mettez comme deuxième partie ici. Alors, ça, c'est votre triangle. Ça, c'est A. Ensuite, ça, c'est B. Ensuite, ça, c'est C. Alors, c'est une finie AB comme. De tout d'abord, AB disparaît comme AD qui est 5. Et par contre, ici, là, c'était combien?
baisser l'intoma route 41. Voilà, ça c'est pour baisser, qui est route 41. Et pour contre, AC c'est 3 plus 5 qui vous donne 8. De tout d'abord là, ça vous donne 3 plus 5 qui vous donne 8. Ça c'est route 41, nous gagnons tout à l'heure là. Et ça pour contre, c'est 5. Good là. Mais il est trop facile, vous n'avez pas travaillé périmètre là. So what is it going to be as perimeter then? Let us have a look at it. Therefore, what is perimeter of triangle ABC? Alors c'est 8 plus 5 plus route 41, c'est tout d'abord. Dans tous les trois côtés, c'est 8 plus 5 plus route 41. Allez, 8 plus 5 plus route 41. Cela vous donne 13 plus route 2 41. Et de moi parler s'il vous plaît avec Zone, sans moi plus qu'être en calculateur. 19.5.